Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est mardi soir et non, on n'est pas devant le foot. On regarde, on n'est pas là pour jouer. On est là pour jouer avec. Bah, je suis avec Alfie. Yeah! Je suis avec Kodiak. Salut! Et avec X-Chara. Salut à tous! Eh ben, bonsoir à vous trois, est-ce que vous allez bien? Tranquille! Ça va? Ça va, Tranquille? tranquille! J'ai arrosé les plantes! Eh ben, parfait. Ah, bah, ils en avaient besoin aujourd'hui. C'est Oui! bien. Ce soir, donc, du coup, on va faire du petit Commander Multi tranquillou pour commencer la rentrée pépouze. On va passer à présentation des généraux, du coup. Chara, du coup, est-ce que tu peux nous dire avec quoi t'es venu C'est l'Hydra de Stonebringer, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, là où elle a déjà vu plus de fois. Donc ce sera un tribal en classique, mais il y a un petit twist. Il y a un nombre extraordinaire de 48 landes. On me gueule dessus, mais j'aime bien. D'accord, bah ok, bon, on va voir ce que ça va donner avec tes 48 landes. Juste comme ça, tu l'as fait parce que t'as peur de la foule ou y a quelque chose qui va derrière? Clairement, en fait, je peux dépenser beaucoup de mana, faire beaucoup de choses. D'accord. Bon, on va voir si ça passe. Ça marche. Ok, et ben moi. Et ben moi, du coup, moi, je suis venu avec le petit dragon qu'on m'a fait, que Alfie d'ailleurs m'a fait voter. C'est Parce faux. qu'il y avait, il y avait un dragon. Ah, t'as voté. On a vu le chèque. On a vu le chèque à la fin. Chèque de sel. Le chèque de sel, même pas le chèque de bits. Ah. Merci encore d'ailleurs hein, Pour pour ça. montrer que Mais... j'en ai une grosse Ah bah là lol. oui, t'avais un gros porte-monnaie. Donc je suis venu avec Karthus, le petit seigneur dragon de Jund, qui du coup voilà, bon, 7-7 pour 7, qui récupère tous les dragons de son côté et qui leur donne la célérité. Alors malheureusement, il y avait une vague combo moisi pour essayer de récupérer les trucs de chez des gens. Je l'ai pas gardé malheureusement parce qu'il fallait, fallait trouver de la place. La combo était rigolote, bien que complètement moisie. Alors il fallait prendre le Markwood, donc c'est l'artefact de Kaldheim qui donne tous les types de créatures à tes créatures, et faire Donate, qui est donc un rituel pour 3 en rouge de Innistrad V2, tiens d'ailleurs, et qui permettait de donner un permanent à un adversaire. Voilà, c'était la combo pour essayer de récupérer les dragons d'en face. C'est pas Donate, Oui, c'est c'est ça. Avec le petit chaton que tu te Offering, doutes ouais, je qu'il sais va te plus. bouffer. Yes, c'est ça. Cadeau suspicieux, je crois, un truc comme ça. Exactement. Donc voilà, oui, pardon, excuse-moi, c'est pas Donate, c'est machin. C'est cadeau. C'est la C'est le même petit chose, chaton mais sauf Eldrazi. que Donate, ça peut donner un terrain alors que je crois que l'autre peut pas. Bref. Voilà, bon, on verra ce que ça donnera. Il y a quelques dragons, du coup, pour quand même que ça fonctionne. Kodiak, raconte-nous ton. Raconte-nous une histoire, Bah ouais, oui. avec quoi es-tu venu? Avec Tuvasa, du coup. Donc, Oui. petite enchanteresse, un peu old style. On va essayer de le faire à la Disney et de vous enchanter tous. Que ça serait pas Ça Estrid, mais en marche. moins bien. Ah. Est-ce que ça serait pas Estrid, mais qui peut taper? La violence ce soir, visiblement, hein, parce qu'on tape même avec des cartes qui sont pas Estrid. Donc on va voir si ça va, on va voir si tu gagnes avec. Justement, C'est cela. est-ce que la force va être mieux que la pioche? On va voir. On va voir. Et bah du coup, Alfie, t'es venu avec quoi? Avec des arbres. Avec des arbres. Wow. Je C'est suis très bien venu résumé. avec le deck, donc avec comme général Kol'Fenor, The Last You. Je sais pas comment c'est en français. Le dernier riff. Le dernier riff. Voilà, donc c'est marqué Trifolk, et donc du coup j'ai mis des Trifolk. T'es arrivé C'est un avec... deck avec plein d'arbres, et puis en espérant que ça va faire des choses, et sinon bah, ça va rien faire, et puis je vais être très déçu. Et bah du coup bah on va pouvoir y aller messieurs, on va pouvoir On commencer pourra se taper dessus. la soirée. Je rappelle avant ça que si vous aimez évidemment la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit bah, venir sur le Discord déjà, si vous avez envie de venir jouer avec nous les mardis soirs, bah, c'est complètement libre. Vous avez envie, voilà, vous venez, vous postulez, vous venez, les nouveaux sont prio. Et sinon, vous pouvez venir sur le Discord pour discuter de généraux, de commandeurs multi ou duel évidemment, mais. Voilà, ce soir c'est le multi. Si vous avez des questions de règles également, on a pas mal de judges. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions de règles sur le Discord également. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, pour avoir nos news. Et nous follow sur YouTube et Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Et sur ce, eh ben, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. C'est à mon tour. Hop. Nous sommes partis. Eh ben, nous sommes partis. On va aller un petit peu doucement.
On va juste poser Meria, fin de tour. Et cet amoureux. Ah, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Je vais jouer un terrain. Je vais engager mon terrain. Je vais jouer un arbre. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je vais rechercher soit un autre arbre, soit une forêt. Je la révèle et je la mets au-dessus. Et donc, je vais dire une fin de tour, le temps de chercher dans ma bibliothèque. Il va falloir faire du petit bois, moi je dis. Il va sortir les haches. Tout à fait. Ah, personnellement, je ne serais pas dérangé par la forêt. Allez, moi j'amène un temple, je fais mon petit regard et c'est une fin de tour. Voilà, je vais chercher ceci comme forêt. Car c'est une forêt. Alors, moi je draw et ça va être un tapland. Voilà, tout simplement. C'est un début très simple. Oh, c'est un début de land tapé pour tout le monde, la moitié, j'ai l'impression. Sauf certains qui s'amusent à mettre des arbres. Parce que voilà, ouais, y en a voilà Mazuzu, faut commencer par mettre des petits. ils ont pas compris la philosophie de jouer des landes tapées. Mais si, regarde, je prends et je joue une Canopy Vista qui arrive tapée. C'est tapé. Ah, c'est pas mal. Ça se rattrape. Alors, c'est accepté. Tape. Pioche, je vais jouer une game pleine inondée. Grève inondée, pardon. Hop. Je perds un point de vie. Je vais chercher une petite. Qu'il est. Voilà. Une petite savane. Parce que j'aime bien le papy brossard. Pour un. Ouais, on va le faire comme ça. On va taper l'autre plutôt. Pour un, je vais faire une wild growth sur. Le temple. Ouais. Et pour deux, je vais faire une enchanteresse. Et ça sera une fin de tour. Ah oui, tu commences bien. Alors, à moi. Du coup, un tap trop. Là, 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 ça va. Heureusement que je remélange le deck. Je vais faire un revisite. Pardon. Je vais aller chercher, du coup. Alors, je sais plus si j'ai mis Taiga dans ce paquet. Oui, quand même. J'ai mis Taiga. Alors, remarque, en même temps, j'ai pas besoin d'être Taiga parce que je peux rien jouer tour 2. Donc, je vais essayer d'aller chercher un Stamping Ground. Et ça va être une fin de tour. Tu peux y aller, Chara. Merci, Val. Je vais poser une plaie. Et pour toi, on commence à l'incubateur, je vais faire ça. Ok. C'est-à-dire, prochain tour, on lira. Voilà, bonjour. Ah ouais, tour, c'est vrai. Je cite Ange, bien sûr. On ne sera pas de dragon comme Cartus. Tout va bien, prochain tour, on lira. Oh, la vache. Et cette chaîne fin de tour. Une tape, upkeep, Doro. Allez. Pas mal. Voilà. Je vais jouer, du coup, mon murmuré bosquet. On va mettre ici d'ailleurs, qui va arriver d'étape car je vais révéler un trifolk de ma main. Je vais révéler un Orchar Warden qui, pour 6, c'est une 4-6 qui fait que quand un autre trifolk arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je gagne des points de vie égales à son endurance. Et pour 3, moi aussi je vais jouer un truc, je vais jouer un descendant de paf. Qui fait qu'au début de mon upkeep, je vais révéler la carte dessus de la bibliothèque, et si c'est une créature qui partage un type avec une créature qui est sur le champ de bataille sous mon contrôle, je peux la jouer sans payer son coup de mana. On verra bien. Tout va bien. C'est fou. Très sympathique, ça. Tout va bien, c'est totalement faux. Quoi? Bah, pour 3, tu vas à 1. Faut que tu trouves des solutions, hein. Oh bah. Eh bien, là, les 2-2. Ouais, bah, tu te démerdes, hein, voilà. Ah bon, ça boit, pas de m'être demandé. Ah, tu te démerdes, ok, voilà. Bah, déjà, je vais faire draw. J'ai pas de land. Enfin, elle a pas un marqueur. J'ai pas de land, et je vais faire un Dragon's Horn. Et je vais dire fin de tour. Ah ouais, t'as vachement bien. Et tu mets un gold, hein, quand même, dessus. Non, c'est quand un dragon, j'ai cru que c'est quand il y a un dragon. Parce que je peux dire que j'allais piocher là, sinon.
Ouais, non, j'étais en mode, j'ai cru qu'il arrivait avec un Dragon Gold. Tu posais une plaine et je crois qu'on va mettre un petit peu la pression. Ça va, on a déjà la pression avec une 0-3, toi, nous fait pas trop mal. Ce sera un ange de destinée. Oh putain. Ah. Playing Double Strike. Ok, oui. Ça marche. C'est là, en tout cas pour moi. Et pour un, parce que y a qu'on fait aujourd'hui. On met la vitalité en plus. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ok. Donc j'ai 25 points de vie au plus. Non, je vais vitalité et à 4-4. Oh mon dieu. C'est la deuxième tour. Ok. Pass, untap, keep. Je révèle la carte du dessus de ma bibliothèque. Pouf. Ce n'est pas un machin. Du coup, bah, je le mets en dessous. Est-ce que ça pourrait pas être une gestion, s'il vous plaît? Non. Est-ce que ça peut pas être une vrasse? Drôle. Non, juste une gestion, putain, c'est bien. J'ai je le sens qu'il y a calme. Eh bah écoutez. Je sens qu'il se fout de notre gueule là. Je vais dire fin de tour. Ouais. Bonjour, je n'ai rien joué, j'ai tous mes landes d'étape, je ne vais rien faire. Bah, il a pas landé déjà. J'ai juste que j'ai pas de mana quoi. J'avais une main qui avait deux mana. J'ai eu le Trifold qui m'a cherché mon troisième mana et après je n'ai pas de mana quoi. Et le pire c'est qu'avec les descendantes, si ça se trouve, j'ai révélé un mana, je vais devoir le mettre en dessous. Allez, moi je me blesse parce que j'aime ça. C'est pour avoir la sympathie de l'agresseur, c'est ça? Exactement. Ne m'attaquez pas s'il vous plaît. Pardon. On va faire un drame. Comment on va faire? Pour 2, je vais faire une Greater Oramancy, je pioche 2. Le monsieur pioche 2 cartes, il va pas nous trouver une solution? C'est faux. Bah, il faut que je tienne un tour. Donc, bah. Ah. Je crois que ça va, tu devrais pas mourir. Non, j'attendrai pas les 55 quand même. Du coup, bah, c'est une fin de tour, allez. Ok. Je crois qu'il est 15 points de plus. Hein. Sachant c'est qu'il ça. Va faire première attaque, il va infliger 3. Ouais, je fais un petit Chaos Dragon. Je vais mettre un compteur sur le truc. Je vais enlever le compteur, je vais piocher. Putain pas de temps. Quel enfer! Bah j'ai plus de solution. Du coup, beginning of combat, on va tous lancer un des 20. J'ai fait 5. J'ai fait un 2. Ah bah il peut attaquer tout le monde. C'est j'ai ça. Fait un 18, ouais, c'est ça. Et bah j'attaque tout le monde. Du coup. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Bien essayé. Du coup, je vais pas aller vers toi, Shara. Parce que je te trouve très sympathique, comme personne. Oh putain. Au secours. Est-ce qu'on vous a dit que vous avez de très beaux pieds, gars? Je vais voir mon copain handicapé de la mana base. Bah écoute, je vais prendre 3. 4-4, s'il te plaît. Ah, 4. Et puis fin de tour. Pas de lampe, pas de point de vie. Hein. Ah bah ouais, là c'est ça. Là c'est la dèche. Donc évidemment j'ai décidé de jouer un pack avec que des créatures à 6, donc j'en chie un peu. Pour 4. Nous avons joué un mec rangé. Ah oui, je t'avais dit, même si j'ai beaucoup de terrain. Ouais. On aurait dû faire comme lui, on aurait dû en paquer 48 là parce qu'on galère ouais. Un peu quoi. Alors le pire c'est que quand tu regardes la première main que je pioche, c'était quoi? C'était 6 terrains quoi, ou 5 terrains, le deuxième c'est 6 terrains quoi, t'es en mode ok. Ouais j'aurais et dû après, pareil rien. J'avais 3 landes mais c'était pas fou quoi. Nous allons partir en attaque. Ouais. On va vous faire revenir à 40. Mon copain. Du coup, 1, 2, 3, 4. Non, tu doubles. Non, tu gagnes des PV. Tu gagnes à la ah place. Ah non, coup de dé, d'accord. You want that player. Je gagne... Non, en fait, je... Ah oui, je perds, mais je... Tu m'infliges quand même des dégâts, mais du coup, j'en regagne à nouveau 4. Oui, c'est ça. Donc, tu repasses à 40. Et... Voilà. Non, j'en perds 4, mais j'en gagne 4. Non, c'est... Quand une créature que tu contrôles inflige des blessures de combat à un joueur, ce...
vous et ce joueur gagnent autant de points de vie. Donc ça veut dire que je prends quand même les dégâts. En fait. Voilà. Okay. Je perds 4 et je gagne 4 en fait. Ah ouais, d'accord. Lui, moi, lui il, gagne quand même, il gagne quand même ses 4 points de vie grâce à l'ange, tu vois. Ouais, et moi pareil, je bouge pas non plus du coup. 5 parce que effet de vitalité, je gagne plus 1. Au total, je gagne 5, 4 plus 1, 5, 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3, ça fait 11. Oui. T'as gagné 11 PV là ? Ouais, 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 tranquille. Attends, tu fais comment pour gagner 11 PV en gagnant que 8 ? Parce qu'il y a le plus 1 de. Mais en gros, voilà, contre, il gagne un point de vie en plus. Ah oui. Mais ça va, il n'est pas à 15 points de vie de plus, il est qu'à 11 points de vie de plus. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a la prochaine attaque et on a fini. Remarque, au moins, on pourra lancer une deuxième. Remarque. Fin de tour, effet d'évangélique, je vais créer un mange. Bon, bah, du coup, en fin de tour, je vais tenter de jouer une congrégation of Adon. Ah, est-ce que je vous avais parlé que moi j'avais des vras qui étaient censés être bénéfiques pour les créatures qui avaient du vol? Bonjour. Je pense et que. Je vais chercher jusqu'à 3 créatures et je mets les cartes au-dessus. Alors je vais peut-être pas chercher 3, mais je vais au moins en chercher une qui peut être bien. Qu'est-ce que j'ai qui est cool Bah écoutez, déjà je vais aller chercher une carte qui a Reach, comme ça au moins je suis sûr de me survivre. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce que je vais chercher parce que j'ai envie au moins d'essayer d'avoir un petit terrain. Donc du coup, voilà. Je ferme. Eh bien, tu ne me donnes même plus envie d'attaquer avec ce deuxième F. Et donc du coup, hop, ça se finit. Et donc, pass, untap, press. Upkeep, si tu peux gagner, révèle. Oh, c'est un trifolk. Ah bah du coup, je me mange. Après, si tu peux gagner, Shara, fais-le. Hein. Et draw. Oui, une command tower. Incroyable! Oui! Mais du coup, je peux rien faire. Donc c'est au début de l'endstep, hein, de toute façon. Ce sera au début de l'endstep hein, que la capacité de l'ange se déclenche. C'est pas dès qu'il colle les missions. Hop! Ouais, et ben écoutez. Ah ouais, d'accord. Je vais dire fin de tour, du coup. Ok, ouais. Ça veut dire qu'il faut que je le gère ce tour-ci. Oui. Gagner. Moi je peux bloquer mais ça change pas des masses. En plus t'es obligé d'attaquer avec ton KO. Tu peux pas bloquer. Si je trouve un launch, j'ai un bloqueur. Ça. Allez, suprême verdict. Ah. Allez. Ça vous aimiez pas lancer des dés? Non, mes machins. Mes machins. Bien joué, Cognac. Hop. Qui nous permet de rester sur cette game. Ouais. J'ai jamais douté de toi. Ouais, enfin, je suis un peu dans la même. Non, je vais pas t'attaquer. Pas de tour. T'es pas le plus haut en PV. Eh ben on va faire ça, hein, et puis fin de tour. En fin de tour. Enfin, attention. Ouais. Oui. Je vais faire 4 et je vais faire Uteren sur Urza Incubator. Oh, ça c'est beau ça. Oh lolo. Oh, c'est beau. C'est pour ça que j'étais content d'avoir un mana. Ah bah, après, l'Ira va quand même arriver. Oui, mais genre, c'est là, s'il m'attaquait avec sa créature ou une créature, je pouvais la péter en réponse, tu vois, et donc enlever ses effets, tu vois. Mais vu qu'il y a eu Vras, bah écoute, hein, autant en profiter. Hein. Non, c'est sûr. Par contre, sur une 5ème plane, c'est... Bon, encore 2. Le problème, c'est qu'après... Il faut aussi topper vos Islandes. Down of Home. Oh, tu gagnes des points de vie. Quand j'ai des points de vie, je peux payer 2 si je dois faire une carte. Et pour 4, je prends un total 1. Ouais, mais tu vas pas faire des 1-1, c'est pas très ange tout ça. Ouais, j'avoue. Mais pour 4, on en est là. Puisque ça a l'air de s'amuser, on va taxer. Ah, de Dieu. Oh la vache, alors il peut pas, on peut pas attaquer à moins qu'il paye 1. Et quand il attaque, il écrase tout pas bloqué, d'accord. Ok. De toute façon, je suis pas encore là. Hein. Okay. Je taxe les combats. Si on veut jouer la taxe, ça me va.
De toute façon, moi, je pense que j'ai pas beaucoup attaqué. De toute façon, Kodiak, t'as attaqué avec une seule bête, toi. Le petit, ben, il ne se Je vois passe pas de quoi on rien. parle. Ah si, je suis obligé. You may cast it otherwise, put the card. Je suis obligé de le faire, en fait, le Ouais. descendant de paf. Donc du coup, je vais révéler un Bah. étrouille qui n'a pas de machin, donc je vais le mettre en dessous. Ouch, c'est dur. Ouais, j'avoue. Ouais, mais après, j'ai 4 mana, donc bon. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de topper un mana! Yes! Et du coup, de Regardez-moi ce faire le streamer. super play que je voulais faire, bon, qui coûtait moins cher avec mon autre truc qui me permettait de gagner des points de vie, pour 5, je joue un Sigad H. Allez, tuez-le! Je veux bien. Et frère, tu vas chercher 3 forêts, c'est très simple. Non, c'est quand il meurt. Quand Ouais, il meurt, je vais chercher c'est 3 ce que j'ai forêts, dit. je les mets en jeu, Ouais. tape. Quand il va C'est dans le ça, c'est cimetière, même. complètement ça. Ouais. Quand il va au cimetière. C'est vrai que s'il y a un truc qui fait aller hop, on exile tout, bah je t'en Mais c'est une fin de tour. Ok, alors, hand tap, keep draw. Draw. Ouais, mais tu pourrais. Pour 3, je vais faire un Moonblast cleric. Donc, je vais chercher un enchantement. Et tu le mets dans ta. Tu le mets Tu au-dessus me de ta tapes. bibliothèque. Ouais. Il est moins bien que ce que je pensais. Il est moins bien que l'autre. L'autre, il permet de le mettre dans ta main, je crois. Ouais, mais bon, c'est des tutors, quoi. Oui. Bah, allez, hein. On va dire une petite Ghostly Prison. Hein. Voilà, ça vient petit matax. Commence à être long, tout ça. Fun tour. Elle est où ta Ghostly? Ah non, c'est ce que t'étais chargé, pardon. Je Non, il l'a mis croyais que c'était au-dessus, ce que donc tu au jouais. prochain tour, il va. Untap draw. Ah là. Voilà. Bon tour. Ah, j'en ai Aïe, 8. aïe, aïe, Attends, aïe, attends, aïe. j'en ai 8. J'en ai 8. On s'attend à ta défense. Oui, Oh, c'est dans vrai que Atarka. Atarka. Oh non. Après, je pense qu'il doit avoir du réanimateur dans son deck. Hein, donc, plus il y a de dragons au cimetière, plus il va pouvoir en ranimer. Ouais. Mais bon, c'est pas à 4 Nous sommes terrains que je vais faire maintenant des folies. à 6 terrains. On se demande ce Pékin que c'est et que ça. Emeria pourraient être trigger. Et il a une peine en main encore. Voilà. Et vu qu'il y a 48 terrains, je pense que. Les chances qu'il ait. Si c'est pas une Pour peine 5, qu'il on ait. va jouer Lyra. Oh non. Ah oui, elle est là, elle. On va s'amuser. Pas trop, non. Maintenant, je passe à 4. Et nous, je vois qu'il y en Ah! a un qui n'a pas été touché de la game. Comme par hasard. Je crois que c'est Shara qui n'a pas été touchée. Quand j'ai gagné les points, je paye 2, je pioche une carte. Oh, il veut vraiment avoir sa plaine. Hein. Bonjour. Il a rompu au Ah, je veux minimum son m'amuser. ange. Fin de tour, je tombe. Untap, upkeep, je révèle la carte du dessus. C'est un land. Et ben, du coup, il doit aller en Un dessous. filtre de couleur, c'est tout. Ah là là. À Oh, je un vais faire land virer près ça. pour ce Golfe Nord. Omega, ouais, c'est ça. Je C'est vais juste peut-être que empêcher un dégât. Je vais ce Golfe passer est tout en nul. dessous Et je draw ma carte. Non. Aïe, 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 aïe. Alors qu'est-ce que Et je j'ai fais? joué Ça fait moi. quoi ça? D'accord. C'est une gestion de Lyra, c'est bienvenu. Non, non, bah attends, j'en ai déjà eu une, c'est déjà pas mal, merde. J'allais dire, en plus je joue pas blanc, c'est pas moi qui les vrasse. Je joue pas blanc, donc j'ai pas de vrasse, je joue pas noir, donc je n'ai pas encore de vrasse. Moi je joue arbre. Alors, joue tes arbres. Ouais, bah écoutez, attends, ça me fait chier ça. Ça fait quoi ça? Bah, pire, on va payer 1, 2, 3, 4. Et je vais jouer 1,
Indomitable ancien. Une 2-10. Ouais, c'est validé. Une 2-10. Ah. Voilà. Fin de tour. Ok. Oh, tiens donc, je suis surpris de Madro. C'est vrai? C'est un truc de fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Régime. Kings. Ouais. Pour 5. 1. 3. La prison, je pire. Tu voulais pas plutôt aller chercher un truc exil les cimetières? Comme ça, et Maria ne faisait rien? Du coup, copine, elle est 4 pour 1, 2, 3, 4, c'est ça. Non, alors attends, oui, parce que du coup, ça m'a distrait. Fin de ton tour, hop, je jouais un El Bondes, et Bondes. Oh, joli. Qui met un compteur sur ce truc qui est ma seule porte de sortie pour essayer d'avoir quelque chose. Ah mince. Pou, pou, pou. Hein? Ah oui, d'accord. Non, okay. Juste dire, comment il met un marqueur avec El Bondes? C'est la dèche, c'est la dèche, c'est la dèche. On va retirer ce compteur. On va piocher une carte. On a enfin un terrain. Il était temps. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah, attends, du coup, t'as Dragon Topaz qui s'est activé en fin de ton tour, qui inflige X blessure à une créature ou à un joueur, X étant le nombre de 4 rôles, donc t'infliges une blessure à une créature ou à un joueur. Ah ouais, oh, pardon. Bon, après, si je l'aurais pu. Je vais pas la prendre à la face, mec. Ah, c'est important de faire ça. C'est vrai, on sait jamais. Et en plus, c'est une action obligatoire, c'est pas You May. Oui, mais ça peut être un trigger oublié. C'est pas, je l'ai pas fait par cas, je l'ai pas fait par. Peut-être oublié. Peut-être oublié. Peut-être oublié. Est-ce que quelqu'un veut. Non, bah non, personne ne peut le faire, donc. Hop. C'est un tutor à Land, cherchez pas. Ah, oh, peut-être dans deux tours, t'auras-tu Land. Dans deux tours, ça sera peut-être autre chose, mais pour l'instant, dans l'idée, c'est un tutor à Land. Il arrive à engager, je peux le caster depuis le cimetière, à partir du moment où il y a un truc qui meurt. Je vais peut-être le laisser là. Je vais prendre mal. Et tu peux y aller. Ça me laisse tellement plein, les amis. Ouais. Oui, mais c'est qu'à ton prochain entretien que ça marche. Pierre, en effet, Pierre 4. Et Excel Copias. Le pire, c'est qu'il arrive à avoir quand même des cartes. Hein. Il a 48 dans le son pack, il arrive quand même à avoir des cartes. Je vous l'avais dit. Ouais, l'inverse, par contre, est dur. Donc en mon étape de fin, je vais encore pouvoir piocher des cartes. Je sais pas comment j'arrive à me faire, mais toi, par Colfénor et le truc qu'avait Rich, je crois que j'ai quasiment aucun trifold qui est Rich. Okay, hein. Pas de problème. Et donc, je vais laisser. Fin de tour, je rec. Et je pioche une carte. Et à moi. On top. Upkeep. Upkeep, oui, pas que j'oublie mon descendante, je révèle chut, un terrain déplacé en dessous. Drew. Le sort s'acharne. Fin de phase principale. Écoutez, nous allons mettre du coup une créature qui va faire du mana. On espère. Voilà. C'est pas un arbre, c'est une plante, ça. Ouais, je sais, mais ça fait du mana, c'est bien. Et pour 3, on va jouer encore un Trifolk. Alors, c'est une 2 étoiles. Étoile est égale au nombre de forêts que je contrôle. J'ai une forêt, deux forêts, trois forêts, quatre forêts. Du coup, c'est une 2-4. C'est joli. Et c'est une fin de tour. Ok. Yeah. Entre Alfie qui met des cartes qui ont plus de défense que de force et les deux autres qui mettent des cartes de stacks, main. Pas se faire attaquer. Oui, mais bah, moi le truc c'est qu'elles sont toutes, elles sont toutes clouées au sol. C'est-à-dire que le mec il a eu ses anges, là ils sont en mode coucou. Oui, c'est à chaque fois j'avais dit c'est paradis pour moi pour faire pour les autres. Cool.
Kodiak, quelle est ta brillante idée? Attends, moi je reviens juste deux secondes. Alors, non, il peut faire 3 blancs avec Nyctos. Non, 4. Ouais, je peux faire 4 blancs. Ou 2 verts. 4 blancs. J'en enlève 3. Faire un idyllic. Je vais aller chercher. Je vais chercher Aura Shard. Aura Shard que je vais jouer. Seems good. Piocher une carte. J'ai joué une créature. 3. Descend. J'imagine que ça devient sur la torche du coup. Exactement. Ça nous en sort. Oh, encore deux. Bah après, il y a les nôtres. Hein, donc. Ça. C'est pas marqué que ça peut péter un land aussi. Mais ça serait une. Ça serait pire. Bah, des terrains artefacts, ça peut être. Right. Bon, et eh ben, à un moment donné, on va s'en sortir. Hein. Je vais faire un horn. Je vais dire dragon. Ah, et puis en plus, ça va pouvoir te regarder tes cartes. Et si c'est un dragon, ça peut te révéler. Comme ça, ça te permet de piocher plus de cartes. Ouais, s'il y a un dragon, il n'y en a pas non plus 60 des dragons. mais c'est une fin de tour. Du coup. Qui peut faire de l'arrière? Je le ramène l'esprit. Attends. C'est au début de mon équipe, si j'ai 7 pleines ou plus sur mes cartes dans son cœur, au fond de la bataille. Du coup, au prochain tour, il y a peut-être quelqu'un qui meurt. Peut-être. Si je le gère encore, les gars, vous me devez une statue de cookie. Hein. On te les amènera un jour. Nous aimons les terrains. Une statue de toi en cookie, c'est ça qu'il faut? Ah, une statue en cookie et vous l'envoyez chez moi. Je vous donne la. C'est trop loin ça. C'est proche de la frontière en plus. C'est validé, c'est validé, c'est validé. Alors, qu'est-ce que tu fais, Chara? Dis-moi qu'il a pioché des terrains. Dites-moi qu'il a pioché des terrains, s'il vous plaît. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on va faire un combat? Mm-hmm. Moi, ça m'intéresse, les terrains. Et on lance, il va venir ici gratuitement. De toute façon, maintenant, on n'en perd plus des points de vie grâce à l'ange. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça fait que je gagne double point de vie. Parce qu'il y a trigger dans le tableau, trigger dans le tableau. Je prends 10. Non, en fait, si non. Tu veux, c'est. Tu prends rien. Tu perds 5, mais tu gagnes 5. Tu perds 5, mais tu gagnes 5. Donc toi, tu perds pas de points de vie, c'est juste qu'il gagne double de points de vie par contre. Ouais. Ah ouais. Donc je gagne 18 points de vie de plus. Je vais payer 4 pour faire les pioches. Mm-hmm. Les deux instants de gain de points de vie. Ouais. Une phase 2, on est gentil. Ouais. Fin de tour, je pioche une carte encore. Untap, upkeep, on révèle un terrain à tous les coups. Même pas. Ah. Alors, Astrobal H. Donc, je peux le jouer gratuitement. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, je le sacrifie à moins que je remove un autre Treefolk ou un Warrior que je contrôle depuis le game. Et quand une créature que je contrôle devient bloquée, elle gagne +0/+5 jusqu'à la fin du tour.
Eh bien écoutez, Oh, c'est ça va beau. aller sur le trifold. Je le mets juste en dessous comme ça, c'est pour dire que... voilà. Je crois que tu dois le sacrifier, donc Ouais, il... tu le sacrifies. Ah, c'est sacrifié, c'est parce qu'après Hein. il revient en jeu, du coup... Ah oui, donc, mais il est quand même considéré au cimetière. Ah ouais, il Ouais. reviendra en jeu quand s'il meurt, ouais, t'as raison. Ouais. Mais c'est pour ça que je le mettais en dessous, mais en Non, fait... il est pas... il est exilé, lui, hein. Il est Il est exilé. exilé. C'est quand même sacrifié. Non, c'est exilé. C'est exilé. C'est la C'est... hache, Ah c'est oui, le donc oui, donc Trifolk voilà, c'est pour ça Warrior. que je le mets, c'est pour ça que je le mettais en dessous Ah pour oui, souvenir. merde, le sacrifice, j'avais mal Ouais, lu. c'est Ouais, my sacrifié bad. Unstoppable Ash, en fait, voilà. Ouais, c'est... Voilà, et donc... Phase principale. Maintenant, j'ai 6 mana. Est-ce que je joue ça ou est-ce que je fais ça? Non, bah... 6. Colfena. Il est là. Voilà, j'ai un truc avec Vigilance et Reach. Bonjour. L'ange ne pourra pas me tuer. Si, en fait. Il a pas besoin en fait, il a juste Il a attaqué. juste besoin de t'attaquer, en fait. C'est juste ça. T'attaque. Ah, c'est attaque Vistern, Ah ouais, putain! c'est attaque, ouais. Et t'as pas Ouais, c'est Doran. juste attaquer. Faut que t'aies Doran sur Ok. table. Donc, rappelle-toi ce que je vais faire pour toi, hein. Non, Pas non, comme la Doran, dernière fois Doran où c'est tu pire. Doran, te... c'est qu'au lieu de faire 3, c'est il fait 7 fois 2. Ouais, mais toi tu peux le tuer. Ah oui, bah non. Si, Hein, avec ta mais... 10-10. Oui, je me souviens, vas-y, fais. Alfie, rappelle-toi ce que je... Enfin, là, tu vas te rappeler ce que je vais faire. Ouais. Et pas comme la dernière fois où tu t'es rappelé comment je t'ai sauvé les miches en me mettant une hydre dans la gueule. Hein? Et c'est parce que je l'avais top decké. M'en fous. Bon. Bah écoute, en tout cas là, je suis sûr que si je top deck une hydre, de toute façon, ça pourra rien faire. Donc fin de tour. Purée, ce qu'il faut pas faire pour protéger tout le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est juste que t'as un deck qui Ah. pioche, nous on fait rien. Bon, alors. Voilà, je me suis mis un truc au cas où que s'il y a une Vrasse, ça permet Pour de 3. récupérer des créatures. Alors attends, est-ce que j'ai assez de land au moins? Toc. Ouais, non, 5 ou plus, ouais, c'est bon, j'ai large. Pour 3. Ah. Merci. Oh. Oh! Je donne tout. Alors, quel était le contraire? Donc, j'ai vol, vigilance, double strike, slaying, indestructible, des protections de ce. Alors, en vrai, avant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que avant qu'il arrive sur le champ de bataille, tu pioches tes deux cartes, quand même. Ouais. Non, une carte, parce que t'as plus l'autre. Si, j'ai la Cétessiane et j'ai Non, tué c'était ça, Lazan. c'est quand elle arrive sur le champ de bataille. Là, on parle au cast. Ouais, Ouais, c'est mais vrai. c'est quand un enchantement entre sur le Oui, champ de bataille. voilà, c'est ça. C'est d'abord, t'as tout Vaza. C'est genre, il est sur la pile, tout Vaza, tu pioches ta carte. Et ensuite, il arrive sur le champ de bataille, tu cibles et tu as ta Ah, ouais. pioche. D'accord. Et donc, et là, en réponse à la pioche, lui, il fait son Akruma. Ok. Donc, c'est avant que tu pioches ta deuxième carte, le Akruma. Ah oui, d'accord. Celle-là, elle est sur le dessus. Ok. Mais Voilà. de toute façon, j'ai pas de réponse, donc. Donc, bah, Ok. du coup, Akruma se résout. Ensuite, tu pioches ta carte. Ce que je vais Ouais. faire, c'est que je vais laisser en pile ce tour-ci pour dire que vous demandez la tactique. Oui, voilà. Donc, mon enchantement, il arrive sur le champ de bataille, mais de toute façon... Non, hein, Oh, il arrive cible même pas, illégale, du il coup. repart. Il va au cimetière. Il n'a pas de cible Mais par contre, disponible. je pioche ma deuxième carte. Oui. Donc, hop. Ça tombe bien, Non, en je fait, c'est vous... après la résolution d'Akruma Will, tu pioches ta carte et après, Imprisoned to the Moon n'a plus de cible valide et elle va au cimetière. Alors on Oh, dit dans le j'espère chat que que ça tu es content de n'arrive moi, pas, H. que ça arrive pas en jeu. Ah bon? Mais pour moi, si, quand même, ça touche Non, le. c'est Bah, si, pour ça moi, arrive un en jeu enchantement parce que aura, c'est quand. c'est que ça arrive sur en jeu et ça cible quand ça arrive en jeu, en fait. La cible, en fait, est choisie quand elle arrive en jeu. Pas avant. Parce qu'il n'y a pas de cible légale. Là, c'est pas marqué quand ça arrive en jeu, cible et machin. Hein. C'est l'aura, c'est au cast hein, qu'il faut une cible valide. Marqué enchanté créature. Et comme j'ai rendu ma cible invalide, elle ne touche pas normalement le. Ouais. Bon, bah, si elle touche pas, j'ai pas ça et j'ai pas ça. Oh, Ah, je viens de nous quand en est-ce que je aide. vois ça? Et ouais, pour moi, C'est abusé. les auras, c'était vraiment ça, que c'était quand ça arrive en jeu que ça cible. Moi, ce que je dis, c'est que je vois que Regen, il a 5 mana, il a un tuteur qui va s'activer au prochain tour. Ah oui, c'est vrai. Et défense, vas-y copain. Hein. C'est un bon gros vas-y copain. Bien dit. Pour 3, je vais quand même faire une justice karmique.
Donc là, du coup, la Tessiane, elle s'active. Hop. Tac. Et je pioche ma carte que je veux piocher depuis tout à l'heure. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, donc j'ai regardé les rules et la 303.4.A dit qu'un aura spell, donc quand il spell, voilà, requiert une target. Et pour 5, je vais faire Sphere of Seity. Voilà. Bonjour. Donc du Bonjour. Coup. Hop. Hop. Alors, et je pioche 2, encore. 3, 4, 5. Alors elle, il faut que je la réactualise un peu. En tout, 6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est une 7-7. Non, attends. Tac, c'est pas elle, c'est elle. Ah non, ça s'enchaîne. Est-ce que tu veux m'attaquer pour que Sidgad meure? S'il te plaît. Ok. Comme ça, ça me fait avoir des forêts. Pas de problème. Phase d'attaque. Rappelle-toi de ce que je fais pour toi. Je trouve que je fais beaucoup pour toi. Oui. Et ben, je bloque. Et ben, ça meurt. Et donc, du coup, ça meurt. Et vu que ça meurt, je peux ramener un autre triolt avec moins de force. Moins de truthness. De... Ah non, dans ma main. Moins d'endurance. Ouais. Qui est un CCM inférieur à son endurance. CCM ? Bah, c'est ça, hein, je crois. Retourne to one target creature 4 with lesser frostness, tout simplement. C'est pas c'est toughness. Ah, d'accord, ouais, je pensais que c'était ça. Je renvoie le trifold en main, c'est tout. Voilà. Trifold okay. Hop, et c'est une fin de tour. Et je vais chercher 3 forêts. Et que je mets en jeu en gris. Ah, si y a une cible égale, Laura ne quitte pas la zone où elle était, et du coup. Et du coup, si c'est la pile, elle est mise dans le cimetière. À la place d'arriver dans le champ de bataille. Du coup, untap. Alors, on va prendre un Indata qui est une forêt. Je vais retirer, je vais faire un tutor. Vas-y. Quasiment champ libre, il lui reste qu'une plaine. Ah, ouais. Attention, je vais prendre un Overgrunton qui va lui taper. Je vais prendre une Savannah qui va lui taper. Alors, le tutor. Hop. Du coup, Dragon, trigger du dragon de vue, on va looker le top. Je regarde là une carte de ma bibliothèque. Et. Est-ce un dragon de vue ? Non. Dommage. Et non. Et du coup, je la pioche. Alors, c'est pas un dragon, mais c'est une forêt. Donc, c'était déjà pas mal. Et pour. On va pas cracher sur du mana. C'est vrai, on crache pas sur du mana. Moi, je crois que je vais me faire un peu défoncer la gueule. Angel en Destiny. Ah non, je peux pas, putain, c'est chiant. Et là, il a pas cherché un truc pour gérer l'Angel Destiny. C'est ça, je le sens gros comme une maison. Je vais faire un Windgrace Judgment. Ah. Autant que l'adversaire détruisé. Un permanent. Ok, vas-y. Ça. Ouais, donc Steve va crever. Ça. De toute façon, je crois qu'il m'a permis d'avoir un. Je crois que ça a servi une fois, je pense, ce truc. Deux. Deux fois. Je crois, ouais. Mais ça m'a fait l'Octopal H. Et ça m'a fait le. Comment dire, le. Izeroth. Mais Izeroth parce que je l'avais cherché. Est-ce qu'on a une cible chez Kodiak aussi? Je cherche la cible. La sphère? Je peux pas. Non, la sphère, il peut pas. T'as un aussi? Bah, l'agréteur, du coup. Je sais pas si c'est la soit le CT San pour éviter qu'il. Ou alors tu fais juste une créature parce que je vous ai bien aidé jusqu'à présent. Ouais, un CT San. Ouais, conseil fait une créa parce qu'en plus t'as Karmic Justice sur le terrain. Toi, tu préfères le CT San sur la Tuvasa? Bah Tuvasa ça fait qu'une seule fois en fait, ça fait ouais, que au premier. Alors que Citizen c'est tout le temps quoi. Bah moi ça me dérange pas que tu me pètes mon ange de destinée, va revenir au prochain tour, c'est juste ça. Oui, mais au moins tu ne pourras pas attaquer avec. Il aura pas la sécurité. Ouais, j'ai gagné un petit tour, hein, c'était pas fou. Hop. Et donc c'est exilé ou détruit? C'est détruit. Détruit. Fin de tour. Fin de tour.
que le pire, c'est que si j'avais un truc, j'aurais pu. Upkeep, fait des Maria, range de destinée revient. J'ai pas pris le bon dragon, je l'ai pas gardé le dragon noir qui fait tout péter. J'aurais bien aimé l'avoir. Ah, c'est triste. Ouais, qui détruit toutes les créatures, ouais. C'est fou. Je l'ai enlevé. J'avais déjà trop de race. Mais... Bah, je crois qu'il est temps de commencer la machine. Brisez-la, lame cassée ? Ouais. Ah, ça sent briser là. Je trouve Bruna, je l'ai. Je vous avoue, je n'ai pas de main actuellement. Ça me ferait bien plaisir. Si, attends, non, j'y prends le boost de Lyra. Nous allons partir en phase d'attaque. Nous n'avons pas de reach de ce côté. Nous avons une reach de ce côté-là. Ouais. Et en plus, moi, c'est marqué si tu m'attaques, et bah du coup, ça fait plus 0, plus 5. Dommage, tu pourras pas bloquer avec. Non, tu peux pas. Tu dois payer un. De quoi ? Tu dois payer un parce qu'il y a l'archange de la dîme. Ah, quand j'ai dit m'attaque, donc les créatures peuvent pas bloquer. De toute façon, étant donné que je. De toute façon, je perds pas de points de vie. Ouais, mais moi, ça me fait double trigger. Bah, ça change rien, tu avais quand même tes points de vie. Hein. Non, bah, parce qu'en fait, en jeu destiné, il faut que ça touche un joueur. Ouais. Voilà, donc je regagne 18. Du coup, phase d'attaque, t'as gagné 18. Mais t'es à 95, mais l'enfer! L'enfer! Ouais, wow, mais on arrive à 3 attaques au bout, de Cartus et c'est bon, hein! Ouais, c'est ça, ouais, de 2 Cartus, ouais, autour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tant qu'on n'arrive pas 10, à gérer absolument tout le board où Emeria plus sa créature, on n'arrivera pas au bout, hein! Ah non, non! Et autour 10, j'ai 5 terrains, quoi! Et même en plus, le Horn, je l'ai posé pendant un terrain, vu que j'ai pas posé de terrain ce tour-ci. Justement, ouais, Cartus, il fera pas grand chose hein, quand il va arriver. Hein, donc, Oui, un terrain, un castle qui arrive détapé car je contrôle une forêt. C'est pas bravo. Ouais, t'as vu. Comment qu'on joue ça Ça va être compliqué cette histoire. Je vais faire 3, 4, 5, 6. J'ai joué un Orcar Warden qui fait que quand un autre Trifold arrive sur le plan de bataille, je gagne des points de vie égaux à la force, l'endurance de la créature. Et du coup, pour. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux mieux jouer que ça? Pardon. Pour au niveau des manas. Parce que j'ai juste à faire finalement 1, 2, 3, 4 et engager ça. Et ça me fait 6. Ça me fait plus de mana. Et pour un mana vert. Du coup, je joue le Trifolk que j'avais retourné en main. Et donc, je peux aller chercher et je gagne 3 points de vie. Voir la bibliothèque et je vais chercher un Trifolk et je le mets au-dessus de la bibliothèque et ça va être une fin de tour après. Et, bon, pas tout ça, mais il faut trouver un moyen de gérer. C'est ce que je craignais. La merde. Fin de tour. Un tap draw. Ah, pardon. C'est pas un dragon. Main, j'ai 6 mana. Ça, il m'en faut 7. Je crois que c'est mieux ça. Ce truc et puis fin de tour et puis voilà, tu peux y aller Chara, vas-y. Ouais. Et Meria, ouais, forcément, yes. Ok, on va rajouter un peu de PV. Ok, ah bah disons, ah bah mon cochon. Alors je vais révéler le top, si c'est une créature je la mets en jeu. Aïe, c'est tous les terrains. Ah, oh, bah une créature. Qui vole pas. Le seul dragon de merde qui vole pas. Ok, c'est là. Trigger, je colle 1.
C'est le début de la fortune. Allez, entrée de Sraven. Ouais. On part en phase de combat. Ouais. Je dis amusons-nous. Oh putain. Bah voilà. Ah bon. Ils ont tous vigilance. Ouais, bah de toute façon, je peux pas bloquer. Et voilà. Ah bah tiens, merde. Triste. Ouais, bah pas de land. Oh purée, le Crux of Fate, il nous aurait tellement fait du bien. Ouais. Oh. J'hésitais à le prendre en fait au début. Et, parce que, bah en pourquoi fait, tu l'as pas pris? Parce que je voulais virer ton aura shard. Bah ça te servait à rien, j'allais pas t'attaquer, t'étais derrière. Moi le but c'était surtout de lui virer les trucs qui étaient dangereux en fait. Ouais, en fait, tous les points de vie que tu gagnes, il faut les compter maintenant. Ça change, après ça change rien parce que il y a Emeria. Bah Jutti, ouais, mais ça l'aurait ralenti de ouf. Hein. Contrairement à juste une. Ouais, mais là en fait, parce que tu veux, il a attaqué avec trois bêtes, mais en vrai, il a attaqué avec une seule et il a gagné. Oui, mais c'est clair, mais là ça lui aurait fait perdre vachement plus de power quoi. Ah oui. Plus 62 points de vie. Allez, 146. 156, pardon. Sur ces instances de gain de points de vie, je fais 6 pour toucher 3. Ouais. Et une phase 2. On n'a pas assez. Est-ce que j'ai landé sur ça? Ouais, faut regarder. Machin, t'attaques et drapeau. Oui, j'ai landé. Et bah go. Ouais. Ah, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Est-ce que t'as de la gestion un peu? Parce que moi, je commence à être à sec. Hein. Bah en fait, je peux aller chercher des trifolks, c'est tout. Enfin, j'ai mon truc, mais bon, je vois. Moi. Clairement, en fait, en deux tours, je voilà, ça c'est. Bah, moi, ça dépend de ce que je pioche, mais. D'accord. J'arrive à piocher un pet créa, peut-être que je peux m'en sortir, mais il faut qu'on gère Emeria derrière, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, moi là, j'ai fait une connerie sur la créature que je suis allé chercher. Mais c'est pas grave. Bah écoute, on va faire la tactique désespérée. On va taper, taper, taper. Et lui, la vigilance. Il y a. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Non, je vais pas taper avec. Avec lui, il fait pas assez de dégâts. Tac. Donc du coup, je dois engager 3. Non, nous avons Colfénor qui attaque. J'ai Colfénor, j'ai ma 5-5 et j'ai une 4-6. D'accord. Et l'autre, c'est leur carte. Il va se prendre le coup de rage. Yes. Boum. Indestructible, contact mortel. Du coup, je détruis l'ange de la destinée. Et du coup, on gagne un tour. Yes. D'accord. Et je le détape en plus. Voilà. C'est validé, mais moi, je vais m'amuser parce que je gagne quand même des points de vie. Et les créatures contrôle, ouais, mais moi aussi je gagne des points de vie, j'en gagne 3, j'en gagne 5 et j'en gagne 17. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en gagne 19. Hop, voilà. Créatures contrôle, on gagne indestructible, je détape chaque créature que je contrôle, les créatures contrôle gagnent le contact mortel et du coup, et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Voilà. Est-ce que tu peux séparer ta. Ton arc binder de la 4-6. Hop, voilà, c'est juste que je voulais pas éviter d'avoir ce truc. Voilà, et du coup, après, ça va être une fin de tour. Yes. Alors, untap, draw. Allez, donnez-moi un truc. Oh oui.
Oui. Ce top deck potentiel. Oui, tout à fait. Tout à fait, Jean-Mimi. On va dire fin de tour. Mec, pas du tout suspicieux. Fin de tour. Le petit destiné qui revient. Un Cosmictos. Ça va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais faire maintenant. Pour 5. Je vais faire une Fissing Nova en artefact en champion. Ok. Alors, du coup, je vais pouvoir détruire. Combien ? One spell, comme elle est pas. Tu détruire une autre créature. Vous mettez 3 tâches permanentes de manuel contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit tu peux détruire 6 choses. Très bien. Bah, allez, on va faire ça. Donc, je vais détruire Emeria. Je vais détruire le Cosmos Elixir, le Dawn of Hope, l'Archangel of Tice, le Traben Watcher et Gisela. Tu disais pour le niveau des. Parce que j'ai pas trop. Dawn of Hope, Cosmos Elixir. Voilà, ces 6 là, ils dégagent. Même pas l'Angel hein. Ou t'as une autre. T'inquiète. Truc pour l'Angel. Là, je compte 5. Hein. Parce qu'il y a le Traben Watcher aussi avec. Bien vu. Et du coup. Kodiak, tu perds aussi tes trucs. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Donc finalement, non. Finalement, ça reste. Ouais, et finalement, après. Et on répond, j'ai rendu destructible. Mais du coup, ça marche pas. Je m'en fous. Oula. Et du coup. Il a dégagé du côté, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il a dégagé du côté. On va continuer les conneries ? Ouais. Ouais. Pour deux. John Valkyrie ? Pourquoi t'as engagé 3 ? Non, il y a Nyctos qui était déjà engagé. D'accord. Ah, c'est les deux mana pour payer Nyctos, il y a 7 mana en pool. T'as retiré ton mana pool du coup ? Non, non, il a toujours 7, il a payé avec ses deux cartes qu'il a engagé là. C'est juste que c'est les 3 landes qui sont partis à droite et qu'il a fallu ramener. D'accord. Tu as raison, c'est plus que logique. Hop. Et puisque t'as payé avec 6. Avec la règle. Ok. Ok. Effet de soul. Il m'a marqué plus. J'ai ça. Attaque. Tu vas te prendre un petit rat dans la face. Ouais. Ah, et par contre, on a oublié de compter les dégâts de commandant de Lyra. Même si on gagne des points de vie grâce à l'Angélique, on a oublié de compter les points de vie. Ouais, mais elle a pas attaqué. Oui, c'est la première fois qu'elle attaque, c'est vrai. Lyra, là, c'est la première fois qu'elle attaque. Je n'ai jamais fait attaquer. Effet de. Il n'y a pas d'effet pour le moment. Si tu rends Jezlique, tu gagnes 5 points de vie. Ah ouais, je l'ai fait, j'ai gagné 5. Et de Lyra aussi. Et t'as Valkyrie qui s'active. C'est non, à c'est la fin de tour. Fin de tour. Ouais. Et t'as Lyra aussi qui t'a fait gagner 5 vu que t'as gagné 5 points de vie. J'ai gagné les 5. T'as gagné 10. C'est vrai que Destiny est là. Fin de tour, Harbinger, je crains. Pass, untap, upkeep, draw. Je jouais à Temple Garden qui va arriver d'étape plutôt qu'on a du mal. Je vais faire. On va essayer de quand même faire ça. 1, 2, 3, 4. On va engager le castle. On va faire 6 mana. On va en utiliser 3. Il va m'en rester 3 en pool. On va faire un Rimwalker qui. Quand même, je vais dire Trifulk. Et je peux regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. C'est un bel arbre. Les cartes du dessus de la bibliothèque. Une carte. D'accord. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, vu que j'ai l'Orcane Ordar, du coup, je gagne 3. Grâce. Parce que c'est un Trifolk aussi, le Rimwalker, vu que la chance oui. Quand il arrive, je gagne 3.
Voilà, et pour 1, 2 et 3, c'est con de le faire. Donc on va pas le faire. Ah non, il me reste 3 maintenant en poule, c'est vrai. Oui. J'avais ça de détaper du coup. C'est ça, ouais. 1, 2, 3, 4, ouais. Non, attends. 1, 2, Oui, c'est bon, t'as 3, fait 4, 4, ouais, j'ai c'est ça. 5 aussi. J'ai un mana qui est tapé en plus là, donc du coup ça fait. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'avais un compteur qui est passé sur une foule en plus, avec l'ange de canne. Donc je vais juste mettre un noir, il va me rester un en poule du coup, que je vais pouvoir rien faire. J'ai joué un Black Popar Shaman, voilà, qui fait me gagner 3 points de vie. Et c'est 4 et qui régène une trifouille pour toi. Ouais, pour toi. Alors, untap, upkeep, draw. Alors, pour 6, surcharge de Winds of Abandon. Alors, oh là Exilta, j'ai là, trois tu te tuyaux, mets donc tu crasse vas exilé. écrire chaque créature que tu contrôles pas, c'est ça? Ouais, Et on va toutes les chercher des créatures bases que je ne historiques. contrôle pas sont exilées. D'accord. Et on va Moi, chercher des landes à la place. j'ai aucun effet parce que régénérer ne marche pas. Chara, il avait Donc, tout prévu plus avec ses d'Angel 40 GTA. of Hein. Destiny à jamais. En fait, j'ai juste ça qui revient, quoi. Et tout le reste est C'est exilé. un plaisir. Et je vais chercher 5 landes de plus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 landes, moi, du coup. Je sais même pas s'il en est. Voilà. Et c'est tape ou des tapes? Ça. Tape. Non. Allez. Non, c'est pas ce que je veux. Voir C'est pas comme si ça me dérangeait en technique. voir la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que j'ai comme land? J'ai un Kol'Fenor est en zone de général. Et ça revient vu que lui, c'est je crois quand il meurt ou quand les. Faut juste que je regarde. Quand ça meurt normalement. Quand ça meurt. Live play, Alors, d'accord. D'accord, donc c'est live play, c'est même pas quand ça meurt. ce sera mon dernier tour, malheureusement. Je dois y aller. Ah, yes. J'ai un petit peu trop dépassé le temps. Tu pensais Pour looter plus 3, je rapidement que perds ça? une présence de l'enchanteresse, je vais piocher. Pour 2, je vais faire un All That Glitters sur Tuvasa. Attaché à une carte. Tac. Donc du coup, je pioche. Et Tuvasa, elle a une force et une endurance qui est égale au double du ce que j'ai. Donc c'est une 5-5. Et du coup, une fun. Tu veux pas attaquer avec Tuvasa sur Bah toi, t'as une de 11 et Zol, il avait 185 points rien. de vie. C'est oui, mais c'est histoire de dire, tu lui infliges un que de général comme ça, mais voilà. Ça fait 21, Et bah tu ça va coches aller rien. très vite. Ira, fin de tour. Voilà, c'est Raph et je vais faire un tour, donc je vais quitter là. D'accord. J'aurais fini avec 186 points de vie, je suis content. Je sais pas si j'arrive à m'en sortir, moi. Allez, Ah! je souhaite une bonne Ah ouais, game. non, Ok. Ouais, je dois vraiment y aller maintenant, je suis Ça marche, absolument ça marche. désolé. Bah, bonne soirée, Chara. Salut. Merci, salut. Bonne soirée. Bon, c'est à moi. Upkeep, draw. Les 3-4 tours, autant les faire, c'est pas long. Ok, Donc ça je joue marche. ça qui fait que les chamans et les trifolks coûtent un de moins à jouer, et puis du coup, lui, il me coûte 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et hop, et on a un Kol'Fenor. Fin de tour. Ok. Untap, upkeep, draw. Alors, je vais jouer un Wooded Bastion. Pour 3, je vais jouer Tassa. Je pioche 2. Pour 2, je vais jouer un Rest in Peace. Pioche. Donc on exile tout de tous les cimetières. C'est ça. Ensuite pour 6,
2, 3, 4, 5, 6. Dream Trawler. D'ailleurs, j'ai. Ah non, si, c'est bon, j'ai bien payé. Pour 2, je rends Tuvasa imbloquable avec Tassa. Ouais. Donc là, j'en ai 4, donc elle gagne 8, donc ça c'est une 9-9. Force endurance. Changer force et endurance. C'est une 9-9. Je déclare une phase d'attaque avec une 9-9 ouais. Imbloquable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Pour la tour, t'as gagné. Fin de tour. Ah, pouf, passe. On tape, hip trou. Moi que j'ai. Pour 3, je joue mon petit. Même pas, il me coûte que 2. Écoute, pour 2, hop, j'ai mon petit scurry et puis. On va y'a. Voilà, parce qu'il a le reach. Bah, je bloque avec, la Moon Blast. Voilà, hop, fin de tour. Elle a vaillamment travaillé. Voilà, ouais, et puis 9, elle aura fait son taf. 11. Ouais, non, il faudrait que j'ai. Ouais. Ah bah voilà, parfait. Donc, vert, incolore. Je vais faire un Grasp of Fate, piole 2. Je vais choisir n'importe quoi, t'as 2-11. Bah 2-11, appel 2-11, qui est exilé. Tout putain. Ensuite, ah bah voilà, c'est fait. Voilà, maintenant c'est fini. 1, du coup, 2, tu gagnes, 3, t'as pioché tes deux cartes et. 4, 5. 6, archétype of imagination. Voilà. Donc j'ai le vol, tu n'as plus le vol. Enfin, ouais. Même si t'as. Voilà. Ouais. Et juste, ouais. Je fais en sorte de mieux payer. Donc je paye comme. Oui, si c'est. De toute façon, vu que t'as ça. Pas le vol. Mais moi, j'ai après, t'as la et portée, après, hein. Je mets l'imbloquable sur Tuvasa. Ouais, et voilà, je passe. Puis... Tu mets combien en tout? Tu mets que 9 points de jeu. Bah, 9, non, non, 9. Non, non, il je mets pas 9 parce que là, j'ai joué 2 enchantes. 12, 13. Donc elle a gagné 4 points de force. Donc maintenant, c'est une 13-13. D'accord, et 13, ouais. Du coup, ça fait 9, 9 plus 13, ça nous fait 22. Ah, je voyais pas tes précédents jeux, points de généraux. Ok. Non, je les ai pas mis, mais voilà. Ok, ça marche. Et bah. Bah, bravo, oh Kodiak. Oh putain, et tour prochain. Dommage. T'avais dommage. Pas. Ah ouais, ouais. Mince. C'est ouais, et en gros, dans ce qui est j'ai mis, mais enfin c'était le truc, c'était impossible à faire. En plus, je n'ai pas mis de tuteur. J'ai mis la petite combo avec le fameux avec Scurry et Abzan. Non, excusez-moi. Monte les cartes. C'est pas celui-là. C'est avec Scurry et le machin de et Yveline. Voilà, Yveline. Ah oui. Et une autre créature, quand une autre créature verte arrive sur le champ de ouais. bataille, tu mets un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Donc en gros, tu fais. Quand Yveline arrive sur le champ de bataille, vu que c'est une 2-3, ça proc Scurry Hawk. Donc du coup, tu mets un marqueur plus 1 plus 1. Du coup, tu crées un Squirrel. Et à partir de là, c'est fini. Quoi. En gros, c'est tu, parti. Tu fous. Tu fais une infini-infini, puis une infinité de Squirrel. Quoi. C'est pas mal, c'est joli. Bon, ça, t'as pas la célérité non plus, mais ok. Ouais, c'est voilà. Joli. Non, mais c'est super joli comme petite combo. Ouais. Petite avec deux Unko, comme une Unko. Ouais, c'est marrant. C'est bien mignon. Et bah, encore une fois, le deck enchantement a tout cassé. Non, parce que d'habitude, on se focalisait sur le deck enchantement quand c'était moi qui jouais, et puis je faisais peur, je faisais agrougou. Ah, en et fait, puis, on se focus sur Alfie. Hein. Voilà. C'est ça. En fait, là où j'ai merdé, c'est que la deuxième fois où je pouvais aller chercher une créature, enfin un Trifolk, je ouais. suis allé chercher le truc qui allait qui permettait de regarder la carte du dessus de la bibliothèque, oui. qui change là, et j'aurais dû aller chercher le Woodfall Primus pour détruire une ah, créature permanente et de détruire du coup son le terrain qui faisait réanimer. Ouais, ouais moi, bah, pas au final, quand il m'a tout détruit, ça m'a permis de faire ça en fait. Ouais, voilà. Ah, j'avais Chaos machin. Voilà. Ah, le Chaos. Ouais, Chaos Distortion chaotique. Et mais pour bon, terminer, c'est pareil, coup, en fait, je mourrais. Je montre juste ce petit Trifol qui est très marrant. Celui-là est cool, ouais. Pour 2, une 5-5. Et au début de l'entretien, tu le mets un marqueur en plus ça plus sur une créature adverse. Celui-là est assez cool. Bah, merci. Mais c'est ça, bravo, en fait, en mon cas... deck, il manque beaucoup de pioches.
Bravo à Chara en tout cas, Ouais. qui aurait dû gagner normalement, mais qui est... ça a fini trop tard. Oh, Les gens pof, avaient non, non, je pense pas, trop parce de que là, gestion. avec ce qui s'est passé, il n'a jamais eu le temps de terminer quelqu'un. Enfin, si, il t'a terminé toi, mais après, comme tu dis, enfin, Ouais, son erreur, ça a été mais de détruire tous les enchantements, tu vois. est-ce qu'il l'aurait Et fait, là, du coup, s'il partait pas? Tu vois? Bah, il l'a fait bien avant qu'il partait, hein. Ouais, il l'a Il a, fait en un gros, tour avant. il est parti après, hein. Ouais, il l'a fait un tour avant. Non, deux ou trois. Ouais, c'était deux, ouais. Moi, ouais. Et donc, je pense que c'est ça, c'est Bah, son est-ce que ça esprit a de pas là. Et joué non puis plus? après, Parce qu'après, il a dit le temps non. imparti, donc il le savait, hein, de base, qu'il savait qu'il allait partir à 22h15. Donc, est-ce que ça a pas joué là-dessus, tu vois? Non, je pense qu'il a pas regardé les cartes. Il a dit, ah, tiens, je détruis tous les enchantements, comme ça me permet de l'attaquer, puis peut-être de gagner. Et puis il n'a pas pensé à ça, quoi. Ouais, c'est pas fou. Ouais, sachant qu'après je devenais imbloquable, donc ah, ça aurait été, je pense que ça se serait joué à pas Voilà, grand-chose. en gros, si tu veux, c'est que s'il restait, ça faisait une menace en plus qui devait, tout Vaza, du coup, devait gérer du coup, ses 180 milliards de points de vie, plutôt que moi. Et moi, du coup, ça me blessait au moins facilement un tour de plus, du coup. Ouais. Et du coup, j'avais le Feel the Mighty qui faisait je te vrase ton board et du coup, t'as ton All Veil Glitter, il part et moi j'ai encore des trucs, quoi. Mais après, j'étais un peu au top deck parce que, comme je dis, j'ai très peu de pioches. Enfin, j'ai la Sylvan, mais je l'ai jamais vue. J'ai le Zendikar, mais il faut jouer des créatures, il faut l'avoir. Enfin, j'ai des trucs qui piochent, mais j'ai pas vu. Ben ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, en tout cas, victoire de Tsubasa ce soir, par forfait du mono blanc, C'est qui s'en ça. sortait très bien en tout cas. Même moi, je suis un peu deg d'avoir un peu sticky à 3 landes. J'aurais dû Bah remélanger, moi j'aurais dû aussi, refaire un mulligan en fait. C'était pas fou. Je me suis dit 2 landes plus un moi tutor, ça aussi va peut-être pouvoir le coup repartir. de. J'avais le dragon 4-4 là que j'ai mis sur 4 là parce que je préférais mettre un horn avant. Et que je me suis dit, ça va être rigolo, ça peut être intéressant de le voir. Et puis bon, on l'a pas beaucoup vu, mais c'était marrant de l'avoir. Bon, on l'a Bref, vu un bref. petit tour, mais après Ouais, j'ai c'est dû ça. raser le bord parce que ça devenait n'importe quoi Ah déjà. ouais, non, mais t'as bien fait, quoi. T'as bien fait, t'as bien fait. Merci Ça devenait Kodiak. déjà fifou. Ouais. Merci Kodiak, Ash et Chara, évidemment, d'être venu jouer ce soir. Bah, j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à repasser si l'envie vous tente. Pas de souci. Pour l'instant, il n'y a rien de J'ai pas prévu la compris, semaine t'as dit prochaine. que H. Oui, j'ai Oui, dit il t'a H, appelé oui, H. en plus, pardon. Pardon, Voilà, mais excuse. c'est le pouvoir des arbres. Bah oui, Vu qu'il a complètement. marqué H à la fin, bah du coup, Complètement, voilà. complètement. Pour l'instant, la semaine prochaine, il n'y a rien de prévu. On ne sait jamais, mais normalement, il n'y a rien de prévu. Semaine suivante, on reprendra officiellement la semaine suivante avec un troll à deux têtes et on finira le mois avec un spécial, du coup, Innistrad Chasse de minuit. Donc voilà. N'hésitez pas à Yes. vous inscrire. Exactement, c'est marqué Spell Table Level 8. On va reset cette soirée pour vraiment faire l'Innistrad parce qu'après, ça risquera peut-être de faire un C'est petit moi peu ton tard. micro coupe. Pour choisir ce truc. Bon, on reviendra la semaine d'après en octobre pour le Spell Table sans souci. Très bonne soirée à tous. Merci encore Alfie et Kodiak pour cette soirée. Passez une très Merci bonne à toi. soirée dans le chat et à Ouais. très bientôt chez Chronic Commander. À plus. Bye bye! Salut.